Coucou ma beauté, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec une toute nouvelle vidéo, mon tout premier tag Sweater Weather, qui est un tag, comme tous les tags d'ailleurs, qui consiste à répondre à quelques questions, donc on va commencer maintenant. Alors ma bougie préférée, c'est une bougie que j'ai achetée chez Maison du Monde, qui est comme ceci, qui sent juste super bon, et c'est fleur de coton. En fait c'est une bougie qui sent vraiment le frais, le propre, c'est... Enfin j'adore. Alors à 2000% le thé, je suis une addict au thé, j'adore ça, je trouve ça super bon, super... Enfin je sais pas, j'adore le thé, j'ai toujours aimé le thé depuis que je suis petite, donc voilà. Fleur de jasmin, j'adore ça, c'est super léger, c'est ma meilleure amie qui me l'avait recommandé. Et au début j'étais un peu sceptique parce que je suis juste adepte au thé vert, au thé citron, au thé verveine, menthe. J'adore ça et franchement j'adore, c'est vraiment une tuerie. En plus le packaging est juste super joli, donc ça fait un petit plus. Et un thé que j'ai découvert ce week-end, c'est un thé anglais. C'est un thé anglais que je connaissais pas, avec des pétales de fleurs apparemment. Donc de toute façon les thés anglais c'est juste des tueries, hein. C'est les meilleurs niveau thé, c'est les number one, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Même si je porte actuellement les deux, je préfère largement porter un rouge à lèvres foncé et mettre un peu de mascara et ne pas mettre de eyeliner que l'inverse, parce que l'eyeliner je le fais tout le temps, quasiment tout le temps. Donc non, franchement je trouve ça plus logique en automne de mettre un beau rouge à lèvres foncé que de juste mettre un trait d'eyeliner. Après ça dépend des goûts des personnes. Donc actuellement je porte le Medusa de chez NYX qui se présente comme ceci, que j'avais déjà montré dans mes favoris... dans mes rouges à lèvres favoris d'automne et d'hiver, que j'adore. C'est mon rouge à lèvres préféré pour l'automne et l'hiver, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai pas de parfum favori pour l'automne, je swatch juste en ce moment avec ces deux parfums, le parfum que vous avez déjà montré, que je portais tout le temps en été de chez Victoria's Secret, et un parfum de chez Playboy. Donc voilà, j'ai d'autres parfums, mais voilà, en ce moment j'utilise ces deux-là. En ce moment j'aime beaucoup les flocons d'avoine, j'aime bien en manger le matin ou quand j'ai un petit creux avec des fruits à l'intérieur, je trouve ça juste génial. En plus c'est bourré de vitamines et de protéines. Donc... Alors à Paris c'est simple, pour moi c'est même pas l'automne, c'est déjà l'hiver et je trouve qu'il fait super froid. Je ne dis pas ça parce que je suis frileuse, mais faut dire ce qu'il y a, il fait super froid. Pour moi c'est un temps, c'est pas un temps automnal, c'est vraiment un temps hivernal pour moi, donc... Voilà, moi je trouve qu'il fait super froid, c'est plus l'automne. L'automne c'est plus ce que c'était avant, où on portait juste des petits cardigans avec allez, un petit foulard et voilà. Alors le pull que je porte le plus souvent c'est celui-ci, c'est un sweat de mec que j'adore porter. Je trouve qu'il est juste, il tient chaud, il est confortable et je l'adore. Alors j'ai sélectionné 5 vernis pour vous. Alors pour commencer celui-ci, c'est un petit marron de chez Kiko, la référence est 321. Hop. Le lait de chez ELF que je trouve juste magnifique, j'adore le porter, et la référence c'est Royal Purple. Toujours chez Kiko, j'ai un bleu nuit que je trouve juste magnifique, super classe, tip top, je l'adore. Encore chez Kiko, un rouge bordeaux. Je sais pas si on voit bien qu'il est rouge bordeaux à la caméra. Qui est juste super classe. Et la référence est 227. Et celui-ci, j'ai oublié de vous le donner, c'est le 265. Et le cinquième vernis, c'est un vernis que je porte actuellement. C'est un kaki de chez Steen Nanda que j'adore. Et c'est pas évident de trouver des vernis kaki. Donc dès que je l'ai vu sur le site, j'ai sauté sur l'occasion. Et la référence est GN08. Skinny jeans et leggings pour le printemps et l'été. Alors j'ai les deux, mais je préfère les combat boots parce que c'est plus mon style. Alors ça va être ma série du moment, c'est Pretty Little Liars, j'adore cette série, dites-moi si vous aussi vous adorez cette série. C'est vrai qu'il y a beaucoup de suspense, parfois un peu trop, mais je l'adore.
J'ai pas de chanson particulière pour l'automne, c'est plus des musiques d'ambiance que j'aime écouter sur SoundCloud. Donc voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, je sais qu'en général, il faut taguer une youtubeuse, mais moi, j'ai pas envie de taguer une youtubeuse, je vais vous taguer vous. Je laisse les questions en barre d'informations, donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à ma deuxième chaîne, The Passion Parisienne, d'aller faire un tour sur mon blog. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.